Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit test de jeu PS1 qui m'a été demandé sur YouTube ou sur Facebook, je sais plus, je crois que c'est plutôt sur YouTube. Il s'agit de Dingo, une journée de dingue sur PS1, donc le voilà. Donc on est sur le SLES 3638 et on est sur une version FR. Donc édité et développé par Ubisoft et Disney Interactive. Donc là, mon exemplaire, bah, je l'ai eu complet. Faut compter entre 15-20 euros, hein. Il n'est pas donné entre, ouais, on va dire entre 10 et 20 euros. Allez, on va faire large. Entre 10 et 20 euros, il n'est pas donné, il est assez recherché. On le trouve rarement, hein. On trouve du Disney, mais le Dingo, on le trouve assez rarement. Il est sorti le 13 décembre 2001. Là, on est plutôt donc sur un, comme vous pouvez le voir sur le test après, on est sur un donc action, action et plutôt recherche d'objets. Vous voyez, c'est de l'action. Mais sans être de l'action, en fait, hein. C'est plutôt, ouais, aventure, action. Je sais pas trop comment définir ce genre de jeu. Ouais, il y a des mini-jeux, il y a de la recherche, des trucs comme ça. Donc, prêt pour une journée de dingue, de la cave au grenier, accompagne Dago dans les folles aventures. Enfin, folles aventures, attention. Aide-le à retrouver les objets qui ont disparu de ses photos favorites. Au programme des surprises, des défis passionnants, golf, slalom géant, pêche, etc., etc. Donc les mini-jeux, comme je vous avais dit. Et en fait, vous pouvez regarder des extraits de dessins animés apparemment dans le jeu. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est original, je trouve. Donc voilà. Se joue qu'à un seul joueur. Et vous n'avez que le Black Label. Vous n'aurez pas de réédition ni de Platinum. Uniquement le Black Label. Donc, ouais, bah voilà ce que je pouvais vous dire sur cet univers de Disney. Hein. Bah, on reconnaît bien Dingo, hein, ça nous rappelle des souvenirs d'enfance, hein, forcément. Donc, ce genre de petit jeu, ça c'est sympa. Pareil, c'est comme pour le Dark Watch, hein, sur une vitrine, vous mettez ça, c'est marrant, quoi. Le petit Dingo, ça nous rappelle des bons souvenirs. Et bah, je vous dis à tout de suite pour le test. Bon, découvrons ensemble Dingo, une journée de dingue sur PS1. Alors. Nouvelle partie, chargée partie. On remettait le dernier jeu qu'on a fait. Eh, hey, dis donc, changeons les options du jeu. Nouvelle partie. Je découvre avec vous. Ok. D'accord. On allume la chaudière, peut-être qu'on peut décongeler le réfrigérateur. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec un feu à plat? Il y a quelque chose sous la voiture. Je me demande ce que ça peut être. Ah, un film. Thank you.
Bon, écoutez, vous trimballez en fait le dingo dans, dans sa maison, et à mon avis, vous devez trouver des trucs. Tiens, c'est mon fidèle aspirateur. Oh oui. Au niveau jouabilité, par contre, c'est pas évident. Graphiquement, c'est mignon. De l'eau partout. Ah, c'est vrai que c'est pas facile à. Ramasser des œufs te donne un bonus. Pas facile à gérer. Il y a quelque chose dans ce puits. Hop là. Je filme. Oh, t'es un peu dingue. Donc en fait voilà pour vous pouvez chercher des films, après vous pouvez regarder en fait les films avec avec Dingo. Bon, c'est gentil hein. Rien d'exceptionnel hein. La maison a l'air assez grande quand même. Bah voilà ce que. Ah, encore un autre film. Hop là. Alors, on a réussi. Oh, regardez un poster de RPG. Un poster de RPG, les gars. C'est beau. Bon, bah écoutez, voilà pour le test de Dingo. Comme je vous dis, hein, c'est gentil, y a rien de vilain, rien de méchant. En fait, c'est plus de la recherche, en fait. C'est un action-recherche, et apparemment, il va y avoir des mini-jeux. Bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit test de Dingo. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao.